Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo où je teste des objets anti-stress, mais vraiment bizarres, des objets que j'avais quasiment jamais vus pour quasiment tous en fait. Il n'y a que celle-ci, que cette balle-là que j'avais déjà vue, quoi, tout simplement, sûrement dans une vidéo et tout, parce que ça me dit vraiment quelque chose. Alors ensuite, par contre, tous les autres trucs, je les avais jamais vus. Il y a ça, donc c'est censé être anti-stress. Donc je vais les tester et puis je vais vous dire ce que j'en pense. Donc j'en ai deux comme ça. Ensuite j'ai deux cubes comme ça. Voilà. Et j'ai deux paquets de balles comme ça anti-stress. Donc pareil, on va les découvrir ensemble. Donc c'est parti, on va commencer par cette balle-là car c'est la seule chose que je connais à peu près. D'ailleurs je la trouve un petit peu bizarre. Donc voilà à quoi elle ressemble. Elle est plutôt sympa. Et là, ici, vous voyez bien qu'il y a de la mousse à l'intérieur. Et en fait, je pense que ça sert tout simplement à s'amuser à déplacer, tac, les couleurs comme ceci. Voilà. Moi, je trouve ça plutôt sympa, mais je ne sais pas si c'est vraiment anti-stress. En fait, une fois que c'est mélangé, je pense qu'il faut s'amuser à remettre tout dans la bonne case, tout simplement, dans la bonne couleur. Donc, je pense qu'il faut s'amuser à tous les mélanger. Et ça doit être assez compliqué, je pense, que de retrouver l'ordre des choses. C'est un peu comme un cube. Vous savez, les cubes, là, les Rubik's Cube, je crois que c'est ça, quand ça se dit comme ça. Les cubes où on doit remettre toutes les couleurs dans chaque face, en fait, de la même couleur. Je pense que ça revient un peu au même, à la même chose, en fait. Tout simplement. Et voilà, là, j'ai mélangé quasiment toutes les couleurs. Là, il y a l'orange qui a la bonne case, mais tout le reste, pour les remettre dans l'ordre. Ça doit être assez compliqué. Alors, ce que j'en pense, c'est que ce n'est. Ça peut être anti-stress le fait de remettre tout à sa place et tout, mais moi je pense que ça me stresserait plus qu'autre chose. Ça dépend, je pense que ça dépend des gens, tout simplement. Après, je la trouve vraiment super sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si vous connaissiez ce genre d'objet. Alors, ensuite, on va prendre ceci. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. J'ai été sur Wish, j'ai marqué anti-stress et ça m'a donné ça. Donc pourquoi pas tester. Pour savoir les prix, j'ai tout payé entre 2 et 3 euros, je pense. Donc c'était vraiment pas cher. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, on peut le mettre dans tous les sens. Regardez, hop. Alors au début, je croyais que c'était élastique, mais pas du tout. Est-ce que ça se démonte? Non. Donc en fait ça sert juste à le tortiller dans tous les sens je pense. Après pareil c'est sympa, ça change des autres anti-stress qu'on a d'habitude. Donc celui qui est stressé, il s'amuse à... Voilà, le tordre. C'est sympa. Et d'ailleurs j'en ai deux. Et comme j'ai organisé un concours, je pense vous en mettre un pour le concours. Dites-moi si ça vous fait plaisir, je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo. D'ailleurs, il y a le lien du concours à chaque fois à la fin de mes vidéos. Le concours se termine à la fin du mois, donc on me le demande souvent. La date est dans le concours, je ne me rappelle plus de la date. C'est le dernier week-end, je crois, du mois de janvier. Donc voilà pour cet objet. Donc je le valide vraiment en anti-stress, moi je trouve ça plutôt sympa. Donc ensuite, on va passer au cube. Donc ça, j'ai vu, je sais à quoi ça sert. Tout simplement à le faire tourner comme un hand spinner, mais par contre pour le tenir, c'est impossible. Mais vraiment, c'est juste ça, c'est sa fonctionnalité. Voilà, ça serait sorti au moment des hand spinners, ça aurait été encore mieux. Après, moi je sais pas si c'était déjà sorti avant ou pas. Ouais, moi j'aime bien. Même si le hand spinner n'est plus forcément à la mode, ça m'arrive d'en utiliser encore un de temps en temps. Je sais pas si pour vous c'est pareil. Donc il tourne plutôt bien et assez longtemps. Je ne sais pas si le rouge est pareil. Donc il ne fait pas le même bruit. C'est marrant. Ça revient au même effet que le hand spinner. À part qu'on peut pas, enfin à moins que franchement il y a quelqu'un qui soit vraiment doué, mais moi j'ai essayé de le faire tenir sur mon doigt et c'est impossible. Je pense que ouais, c'est pas assez lourd et puis je sais pas. Et vraiment j'y arrive pas. Et
les derniers objets, donc ce sont des balles anti-stress assez spéciales quand même, c'est assez spécial. Voilà à quoi elles ressemblent. Donc il y en a deux par boîte et elles sont aimantées, comme vous pouvez le voir. Voilà, alors il y a plein de petits pics tout autour de la balle. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut en acheter plusieurs. Donc il y en a des argentés, j'en avais commandé des argentés, ça c'est sûr. Mais j'ai reçu que des dorés. Alors j'avais commandé une boîte de chaque, c'est dommage. Voilà, vous pouvez en commander plusieurs et vous amuser avec toutes ces balles. Et franchement, moi j'aime bien. Ça je valide, mais à 100%, je pense que c'est l'objet que je préfère. Sans vous mentir, ça je l'avais quand même testé avant la vidéo. Juste pour voir à quoi ça ressemblait, je les ai sortis et j'ai adoré direct. Franchement, je vous recommande si vous êtes stressé et tout. Puis je sais que ça sert aussi à soigner certains mal, mais après ça, faut y croire. Donc comme j'en ai acheté deux boîtes, moi je veux bien vous en faire gagner aussi au concours. Donc je peux vous en faire gagner une boîte, je vais en garder une pour moi quand même. Parce que bah, je trouve ça super sympa et de partager ces choses-là, voilà, pourquoi pas. Donc le concours, les lots, ça, il y en a de plus en plus, j'en rajoute au fur et à mesure. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc ça, comme je vous l'ai dit, je valide à 100%. J'adore le concept de ces balles anti-stress. En plus, elles sont super belles. J'adore. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. On aura testé quand même 4 objets différents. Voilà, que je trouve vraiment super sympa. Pour la plupart, ouais, je les aime bien. Donc si ma vidéo vous a plu et que vous souhaitez d'autres vidéos de ce genre, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas les pouces bleus. Partagez, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous. Bisous les amis !